Salutations chers gourmands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette d'un gratin de gnocchi à la mozzarella. Pour cette recette, nous avons besoin de 600 g de gnocchi, de 280 g de purée de tomate, d'une mozzarella et de basilic. Je commence par déchirer la mozzarella avec les mains et je fais chauffer de l'eau pour faire cuire les gnocchis. Une fois que les gnocchis sont cuits, je les mélange directement dans le plat gratin avec la purée de tomates, j'assaisonne, puis je recouvre avec la mozzarella déchirée. Je mets le gratin au four, une petite demi-heure à 180 degrés. Voilà mon gratin une fois sorti du four. J'ai mis quelques feuilles de basilic pour faire joli dessus. Donc voilà, j'espère que cette recette toute simple vous aura plu. Elle m'a coûté environ 5 euros et correspond à un plat pour 6 personnes. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez adoré. Merci à vous, à bientôt! Et voilà notre petit Shadow tout mignon. À chaque fois que je mets mon tablier, il veut jouer avec, il veut me le piquer, il débarque de nulle part pour jouer avec, il est trop mignon.